Cette fois-ci, je vais faire la promotion, une fois n'est pas coutume, d'un autre manga qui s'appelle Skate Dance. Vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est le seul manga qui a eu droit à un... Ah merde, comment on dit ? Un crossover, c'est ça. Qui a eu droit à son crossover avec Gintama. Épisode 218-219, dans ces coins-là, je crois. À revoir, mais c'est dans ces coins-là. C'est un filler tout pourri, en vrai, c'est pas avec ce truc-là que t'as envie spécialement de te mettre au manga, ça c'est clair. Mais bon, c'était un épisode très Gintamesque, hein, où tout finit au niveau des couilles, comme d'habitude. Bon, j'ai découvert le manga il y a pas si longtemps que ça, j'ai lu que les 5 premiers tomes environ, de manière tout à fait légale bien entendu. Et bref, je trouve ça sympa. Je trouve ça très sympa. Après, c'est là où tu te rends compte de la limite des mangas, ou du moins des shonen, par rapport au monde occidental qu'on connaît. C'est que les mangaka, quand ils décident d'écrire une histoire, ils pensent d'abord à leur personnage et ensuite à l'histoire. Ce qui peut poser beaucoup de problèmes sur le long terme. Parce que ils te font d'abord des gros archétypes, mais tellement visibles, que tu te dis, bon, il y a forcément quelque chose que je vais aimer dedans. En fait, c'est comme ça qu'il fonctionne, pour les auteurs de shonen, je dirais au moins. Ceux qui réussissent à sortir du lot, évidemment, font un peu plus de travail en amont. Mais là, par exemple, Skate Dance, ou même Gintama, quand tu regardes, de base, Gintama, c'est un samouraï qui n'en fout pas une, qui se balade dans la vie avec un gros otaku geek puceau qui en fout pas une non plus, enfin qui essaye de faire quelque chose, mais bon, faut voir l'engin, et une petite chinoise qui est vulgaire, tu vois. Si on se réfère uniquement à la caractérisation d'origine, c'est de la merde. C'est uniquement ce qui en a été fait derrière, avec les relations avec les personnages et l'univers surtout qui a été étoffé autour, qui rend Gintama intéressant. Parce que à la base de la base, ça vole pas bien haut. Et justement, Skate Dance, ça m'a fait marrer parce que ça m'a rappelé l'époque où je découvrais Gintama pour la première fois. T'as le mec qui est super impulsif, mais qui ne sait rien faire de particulier. Donc là, un petit peu Shinpachi sur les bords, mais qui se trouve être le chef cette fois. Bon, ok, pourquoi pas. Et son pouvoir, c'est de se concentrer quand il met ses lunettes. Là aussi, t'as un rapport avec Gintoki, parce que Gintoki, au début, il portait des lunettes de motard, qui l'a fait disparaître progressivement, parce qu'au final, c'était juste un accessoire pour le reconnaître facilement aux yeux du public. C'est des choses que tout le monde fait. Dragon Ball, par exemple, c'est le cas typique, avec les coupes de cheveux complètement improbables. Et j'en passe, vous mettrez les exemples qui vous parlent. Et bah, là, en l'occurrence, le personnage Bosun, je crois que c'est ça son nom, qui est le plus basique du monde, qui a rien de particulier pour lui, hein, côté Shinpachi, je disais, par rapport à ça, mais qui est plein de bonne volonté, qui veut bien faire les choses, et qui surtout a fédéré autour de lui, ce qui nous rappelle un certain Gintoki, de ce point de vue-là. Donc, personnage intéressant dans sa normalité, en fait, c'est une fusion entre Shinpachi et Gintoki, c'est vraiment exactement c'est exactement ça. Ensuite, t'as la nana qui... Himeko, voilà, c'est ça, Himeko, j'arrive à me souvenir de son nom, qui a un passé rude. D'ailleurs, c'est le tout premier personnage qui est un petit peu développé de la série, parce que son arc, elle, qui explique que c'était une... Alors, je sais plus comment on dit les termes japonais pour dire « rakai », voilà, hein, qui tapait sur tout ce qui bouge et qui était beneuse, enfin, chef de gang. Bon, qui s'est rangé depuis le temps. On sait pas trop pourquoi elle s'est rangée, mais on sait grâce à qui elle s'est rangée. On fait des sous-entendus. Personnage intéressant et qui surtout a tendance à partir en couille, un peu comme une certaine Kagura. Bah, surtout pour la violence, mais... Oh, elle a un côté plus féminin quand même que Kagura. Faut pas déconner, parce que Kagura, il n'y a pas plus garçon manqué que le personnage de Kagura dans la fratrie Gintamesque. Et enfin, alors là par contre c'est cliché ultime par excellence, qu'on pourrait comparer à un certain Sadaharu d'une certaine manière, c'est le... Alors lui par contre j'ai oublié son nom. Asun, quelque chose comme ça. Bref, le binoclard à lunettes qui est incapable de parler sauf par... Comment on dit par,
par vocalise, par, enfin en gros c'est le clavier, c'est l'ordinateur qui parle à sa place, lui il fait que taper sur un truc, parce qu'en gros il est trop timide pour parler en société, un truc comme ça, et on sait que on en apprendra plus sur lui. Bon, c'est de la caractérisation basique qui te fait dire tiens c'est marrant, ces personnages ils sont sympas à suivre, voilà. Mais le problème c'est que quand t'as pas d'histoire à raconter autour de ça et qu'en plus c'est un univers qui est collégial, bref, ils évoluent dans un lycée, tu sais déjà à quoi t'attendre, quoi. Tu vas forcément voir un élève, des élèves à problème, comme tu as déjà vu certainement dans des mangas de type GTO ou Assassination Classroom, que je recommande, les deux d'ailleurs. Et je précise, il n'y en a pas un des deux qui est meilleur que l'autre, hein. Les deux se valent très très bien. Même si Onizuka est meilleur que Koro Sensei, cherchez pas. Voilà, cordialement. Voilà, histoire de faire débat dans les commentaires. Donc tu sais déjà que va y avoir un délire de groupement, enfin un groupe d'élèves de discipline, groupe d'élèves. Parce qu'ils aiment bien ça au Japon, ça, les clubs, voilà, les clubs de jeux de société, les clubs de jeux de machin, les clubs de trucs. C'est tout hiérarchisé, il faut toujours qu'il y ait des groupes de partout. Bah ça n'a pas manqué. En fait, c'est un humour qui est très gintamesque sans. Alors, je sais que ça peut être mal perçu. C'est un humour qui est très gintamesque sans la vulgarité autour de ce que t'as entre les jambes. Donc, tu serais tenté de dire c'est dommage. Mais c'est plus sain, tu vois. Si tu devais recommander un manga à ton petit frère ou à ton petit neveu ou n'importe quoi, recommande-lui d'abord Skate Dance, tu vois. C'est plus léger, c'est plus sympathique, c'est plus facile à appréhender. Et en plus, comme Gintama, tu vois, c'est assez difficile à prendre en main au début. Tu commences les premiers chapitres et là, ouais, c'est des histoires qui se terminent en un chapitre ou deux. Bon, ok, c'est sympa, mais t'es pas prêt de voir le fil rouge. Et en plus de ça, bon, les univers de type. Je disais, quand ça évolue dans un lycée. Soit tu prends un parti pris osé comme dans Assassination Classroom, c'est pour ça que je faisais la référence tout à l'heure, où ça se passe pendant un an et effectivement il y a une durée limite. Et là tu comprends que ok, ça, le manga il va pas durer 100 tomes. Ou alors effectivement c'est le cas le plus fréquent, où t'as l'impression que les élèves ils évoluent jamais et qu'ils grandissent pas. Et que les histoires évoluent, mais ne se ressemblent pas, mais bon. Enfin, moi, j'aime pas ce genre d'histoire, j'aime pas quand ça traîne trop, trop, trop en longueur. J'aime bien quand il y a soit un fil rouge. Alors, s'il y a un grand fil rouge et que ça traîne en longueur, c'est pas grave. Tant que tout est cohérent et que ça monte crescendo, c'est génial. Hein, l'Attaque des Titans est un bon exemple par rapport à ça. Mais si t'as aucun fil rouge, j'aime bien l'idée que ça dure pas des plombes. C'est pour ça que Gintama, c'est vraiment l'ovni ultime. C'est pour ça qu'on revient toujours à Gintama d'une manière ou d'une autre, même si je suis censé parler de Skate Dance. Gintama est l'ovni ultime parce qu'il arrive à concilier les deux. Il arrive à concilier le fait que ça n'a aucun sens, c'est trop long, et en même temps, il y a un fil rouge. En même temps, le fil rouge apparaît dès lors que t'as Takatsuki qui apparaît à l'écran. Takatsuki, la première fois, tu le vois déjà au deuxième, troisième tome. En manga, je dis pas de bêtises, donc ça va, tu vois, on généralise. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait que Gintama est très difficile à appréhender au début, mais en fait c'est le nombre de personnages. C'est le nombre de personnages qui fait que le manga est difficile à appréhender, parce que le temps qu'on ait une histoire à raconter pour chacun, avant les premiers grands arcs, tu as déjà passé la quarantaine d'épisodes, tu te dis putain sérieux moi j'ai l'habitude avec mon My Hero Academia que ça évite. Bon, My Hero Academia c'est pas forcément vrai, hein. Hein, ils aiment bien faire traîner en longueur. Lis le manga, ça sera beaucoup plus. Tu vas moins t'ennuyer. Surtout la saison 5. Passionnant. Passionnant. S'il y avait eu autre chose à regarder que My Hero Academia pendant la période, j'aurais certainement pas regardé tellement c'était chiant en vrai. Voilà. Bon. Petite vidéo, je disais promotion. Si vous avez un peu de temps, voilà, et que vous avez déjà vu Gintama, vous avez envie de 109, mais en même temps vous avez envie de rester un petit peu dans l'ambiance. Matez Skate Dance, c'est très bien. En plus, il y a un animé, il paraît. J'ai pas regardé. Non, je le ferai pas. En vrai,
Des nouveaux animés, s'ils sont pas courts, j'ai juste plus le temps. J'ai juste plus le temps déjà de lire des nouveaux mangas. En vrai, c'est compliqué. Voilà. Ce qui est dense, Gintaverse approved, comme on dirait dans le milieu. C'est très très sympathique. Évidemment, j'ai lu que 5 tomes. Ça peut devenir de la grosse merde juste après, même si j'en doute. Et de toute façon, si je dis pas de bêtises, il y a. Ça aurait pu dire. Il y a beaucoup moins de tomes que Gintama, ça s'est terminé beaucoup plus tôt. Je crois qu'il y a une vingtaine de tomes, 20, peut-être 30, maxi. Bon. Après, c'est des histoires courtes, c'est ça qui est bien. C'est comme Gintama. Tu te dis, tiens, là, j'ai un peu de temps devant moi, je me fais un peu chier, hop, je me mate un ou deux chapitres. Ah, cette fois-ci, c'est une histoire un peu plus longue. Bon, bah allez, trois chapitres, et puis c'est bon, c'est réglé. Enfin, c'est ça qui est bien avec Gintama, c'est que la dernière chose à faire, c'est de forcer. Tu ne vas pas te faire un grand chelem Gintama, sauf comme certains quand t'as pas de vie sociale. Tu vas pas te faire un grand chelem, tu te mates un ou deux épisodes par jour, c'est très très bien. Tu vas pas forcément te retrouver perdu si tu laisses la série de côté pendant un petit moment. Non, c'est très bien. Voilà. Tout ça pour dire que les grands défauts de Gintama sont aussi leur grande qualité, de bien des manières, hein, et que peut-être que sur cette chaîne on critique Gintama aujourd'hui beaucoup plus. Mais on le fait avec des arguments, hein. Essayez d'argumenter. C'est bien. Voilà. La vidéo dure un peu trop longtemps. Matez-vous Skedance. Très très bien. Faites-vous plaisir. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À tantôt.